principe des malles, c'est très simple, ce sont des malles qui fonctionnent en tiroir, comme on dit. On a une malle A, malle B. C'est-à-dire qu'à chaque bivouac, on a la malle A et le lendemain, on retrouve la malle B. Donc le principe du tiroir, comme ça le camion, bah, il prend de l'avance pour le prochain bivouac. On a deux malles chacun et on partage des affaires. Et on met les trousses de toilette, des outils, des pièces, enfin tout le nécessaire, des habits, quoi, enfin tout ce qu'il faut, quoi. On peut dire que c'est pour ceux qui ont le moins de moyens, on va dire, sur le Dakar. Oui, on peut dire ça, oui. Mais bon, c'est un service qui est quand même appréciable, hein, de prendre ses malles. Même ceux qui ont des assistances, ils prennent aussi des malles et c'est quand même un confort. Chaque jour, on apprend de nouveaux petits trucs pour perdre de temps, enfin parce qu'on perd du temps au début, quoi. Le temps de s'organiser, les malles, ce qu'on a à droite, à gauche, on ne sait plus. Enfin, on est un peu paumé, là. Mais là, ça, bon, ça rentre dans l'ordre. Au bout de 15 jours, ça va rentrer dans l'ordre. Bon, on va s'organiser. Maintenant, on va faire le roadbook. Et le roadbook, on l'a mis où ? La plus courte en kilomètres, mais la plus dure physiquement, moralement, on voit pas le bout. C'est plein de petits passages piégeux, c'est très facile de se perdre. Mais bon, aujourd'hui, je savais que ça allait être difficile, comme nous l'ont dit tous les professionnels devant. Il a dit qu'aujourd'hui ça va être difficile, donc bon, on a aménagé la mécanique parce qu'il y avait moyen d'user la mécanique, comme on dit. C'est des grandes montées en sable hyper mou, on s'y prend à deux fois, trois fois, le moteur à plein régime. On se demande comment la mécanique elle tient. Mais bon, la mécanique tient. Voilà, du bon boulot aujourd'hui.
cette année, bah, c'est mon premier, donc ça s'est bien passé. Je ne sais pas comment c'était les autres années, mais bon, j'ai trouvé un Dakar très difficile. Mais bon, je suis content d'être arrivé. Comme je l'ai déjà dit, l'objectif était d'arriver. Et donc je finis 29e, chose qui était, bon, on peut espérer. Enfin, bon, je suis content de mes résultats. Et merci encore à mon sponsor principal, la compagnie du lit. Et à tous mes amis, ma famille, ma femme, mes enfants. Et c'est superbe. Voilà, que du bonheur. Je m'attendais à quelque chose de difficile, mais aussi difficile, non. Je pense que c'est une épreuve mentale. Il faut avoir un fort mental, bien se préparer. Et bien se préparer, bien sûr, physiquement. Et le mental va avec le physique et l'un ne va pas sans l'autre. Donc, quand les deux sont réunis, tout va bien, quoi. Plus beau souvenir, c'est tous les jours, quoi. Quand on descend dans cette descente à Copiaco, c'est génial, quoi. Cette grande descente de 500 mètres, c'est magnifique. On voit le public et le parc fermé en bas, le bivouac, c'est... C'est ces choses que j'ai vues à 3 années de reprise à la télé, et là je l'ai vu en live et c'était génial, quoi. Troisième classement, première fois moto.